c'est n'importe quoi. Depuis quand entre-t-on dans un lieu sacré par la force? Dieu vous regarde, mon fils, et il sera juge de vos actes. Je ne comprends pas ce qui vous pousse à récupérer cet objet. Il est en lieu sûr, ici. Où est-elle? Par ici. Lisa ? Lisa, je vais être en retard. Tu sais pas où est ma montre ? Celle-là ? Oui. Tout va bien se passer, tu verras. Oui, je sais. Tu ne montres pas beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai. Mais cette promotion, c'est ce qui compte le plus à mes yeux. Je me souviens t'avoir déjà entendu prononcer cette phrase. Quand tout ça sera terminé, on le fera. Des promesses, encore des promesses. On va fonder une famille. Bonne chance à toi. Eh, le succès ne me changera pas. Allez, au revoir. Au revoir. Je tenais à vous remercier tous de m'offrir cette magnifique opportunité. Phil, Eno. Ça représente beaucoup plus qu'une simple opportunité de travail. Tout ce que j'ai accompli dans cette entreprise, depuis ces 5 dernières années, porte enfin ses fruits et m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je sais ce que Brockman Associés représente pour cette société. Si vous m'offrez le privilège de m'occuper de votre compte, vous aurez ce qui se fait le mieux en matière de relations publiques, et ça je vous le promets. Je suis le mieux placé pour ce job, et je suis prêt à vous le prouver. Bonjour Annika. Alors, dois-je commencer à vous appeler Monsieur Goodman à présent? Ils sont en entretien avec Tony, pour l'instant ça ne devrait pas tarder. Ce n'est pas croyable. Du calme, il n'y aura rien de changé, n'ayez crainte. Je vais continuer de m'occuper de votre campagne. Oui, ça fait plus d'un mois que vous avez mon dossier sur votre bureau. Est-ce que je vous ai déjà laissé tomber? Très bien. Alors racontez-moi ce que vous comptez faire pour ma prochaine campagne de relations publiques. 2 petites secondes, je reviens. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Ils ont pris leur décision. David. Je suis désolé. Nous allons prendre Tony.
Il a l'expérience nécessaire. Il s'en est fallu de peu, David. Mais Tony est là depuis plus longtemps. C'est l'ancienneté qui lui a valu ce poste. Je sais que c'est difficile, mais votre acharnement sera un jour récompensé. Il y aura d'autres opportunités. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je suis sincère. David, mes félicitations. Entrez, Tony. Merci. Asseyez-vous. Alors ? Pas obtenu la promotion. Ce job était pour moi. Sois patient. Tu travailles pour le plus grand cabinet de relations publiques de ce pays. Tu verras, il y aura d'autres occasions. Oh. Quand commençons à grandir la famille? Je tenais vraiment à cette promotion. C'est... Ça nous aurait permis de mieux vivre. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Où est-ce que tu vas? Je vais prendre l'air. Tu as dormi ici toute la nuit? Pourquoi tu vas pas te mettre au lit? Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais me faire porter pâle. On a du mal à rembourser les emprunts. Attends, je vais te les donner. Je peux me débrouiller tout seul. Merci d'être passé, Harry. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'il sait que je suis là? Toi, ça va? Allez, entre. Il est dans le salon. David, tu as de la visite. Je t'ai dit que je voulais voir personne. Aucun souvenir de ça. On se voit au journal. Oui. Ça fait un bail. Va-t'en, Harry. Ça me dirait bien d'aller faire un tour pour prendre l'air.
Tu vas rester enfermé ici toute ta vie. Pourquoi? Tu comptes m'en empêcher? Non. Je vais juste te filer un coup de main. J'ai pas besoin de ton aide. Sauf si tu peux réparer ça. Écoute, David, tu es un type bien. Tu as une femme magnifique qui t'aime plus que tout. C'est très précieux. Tu ne vas pas tout gâcher. Quoi, Harry? C'est ce qu'ils t'ont enseigné en cure de désintox? Tu veux que je sois franc? La vérité, c'est que quand j'ai touché le fond, tu étais là. Alors je veux t'aider à mon tour. Mon vieux, tu ne dois pas perdre la foi. La foi. Ouais. Mais Dieu est aussi sourd que moi, je suis aveugle. Bonjour, vous êtes bien chez David et Lisa. Laissez-nous un message. Je sais que vous êtes chez vous, Monsieur Goodman. Alors soyez très attentif. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Le docteur Guillermo List. Je vous rappellerai. Si vous ne décrochez pas, j'en conclurai que vous vous moquez de recouvrer la vue. Et vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Allô? Vous avez 20 minutes pour vous préparer et être prêt à partir. Je vous retrouverai dehors. Qui est à l'appareil? Monsieur Goodman. Vous savez comment je m'appelle? Nous allons bientôt répondre à toutes vos questions. Prenez mon bras. Vous avez l'impression d'être enfermé vivant, n'est-ce pas, David? Certains jours, vous préféreriez même être mort. Toutes ces choses que vous ne verrez plus. Les étoiles dans le ciel la nuit. La fumée qui se dégage de votre café le matin au petit déjeuner. Et le sourire de Lisa. Qui êtes-vous? List. Guillermo List. Est-ce que je peux voir vos yeux? Oui. On m'a agressé dans la rue. Un homme avec une bombe lacrymo. Il vous a aspergé un produit dans les yeux et a mis fin à tous vos rêves. Comment savez-vous tout ça de moi? Eh bien, la cécité est ma spécialité. Alors j'ai consacré toute ma vie à trouver un moyen de pouvoir aider les gens comme vous. L'homme qui m'a accompagné a dit que vous étiez médecin. Oui, en quelque sorte. Je pense que les choses ne se produisent jamais sans raison. Il n'y a pas de hasard. Selon moi, tout est orchestré. D'accord. Pourquoi je suis là? Pourquoi agissez-vous ainsi avec moi? Que seriez-vous prêt à sacrifier? Que donneriez-vous pour recouvrer la vue? Quand je me réveille, tous les matins, je suis dans l'obscurité. Je ne vois plus rien. Je suis perdu. Oui, ça, je m'en suis aperçu. À quoi seriez-vous prêt à renoncer? À tout ce que j'ai. N'importe quoi. Très
très impatient. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Mais je veux bien que vous m'aidiez à recouvrer la vue. Oh. Oui, David. Je peux vous rendre la vue. Mais il faut que vous me donniez votre parole. Qu'une fois que ça se produira, vous deviendrez l'homme que vous avez toujours eu envie d'être. Je vous le jure. Tu es sorti aujourd'hui? Non. J'ai appelé ici à plusieurs reprises. Je devais m'être assoupi. D'ailleurs, j'ai fait un rêve très étrange. Un joli rêve, j'espère. C'était bizarre. Un homme m'aidait à recouvrer la vue. Les médecins qui t'ont examiné ont dit que ce serait permanent. C'est bien ce qu'ils ont dit. C'était un rêve. Si tu as passé ta journée à dormir et à te reposer, tu dois être en pleine possession de tes moyens. Je ne me comporte pas comme je devrais avec toi. Laisse-moi un peu de temps. Je te promets que tout va s'arranger. D'accord. J'ai l'impression d'avoir été enterré vivant, n'est-ce pas? Parfois, vous préféreriez même être mort. Lisa. Lisa. Rêve, n'est-ce pas? Bien sûr.
Ça dépend de vous, Monsieur Goodman. Si vous préférez, je peux vous raccompagner chez vous maintenant. Et vous pourrez passer le reste de votre vie aveugle comme aujourd'hui. Bienvenue, David. J'ai un cadeau pour vous. Ouvrez les yeux. Désolé. À quel point tu étais belle. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Lisa. Oh mon Dieu. Je te vois. Quoi ? Je te vois. Oh mais... Comment ? Mon Dieu. David. Mon Dieu. C'est si bon de te regarder à nouveau. Oh mon Dieu, David, tu as recouvré la vue. C'est surprenant, David, tu es une énigme pour la médecine. Est-ce que ça va ? Oui,
Je suis un petit peu nerveux. Toi ? Nerveux ? C'est nouveau ? Oui. Ça fait quelques mois que j'ai arrêté ce job et je ne sais pas comment ma reprise va être perçue par les autres. Ne te fais pas de soucis pour ça. Tu es obligé de prendre cette canne avec toi. Elle me porte chance. Pour lui, les relations publiques ne peuvent être mises au second plan. Notre invité d'honneur ce soir est un véritable héros. Son comeback est tout à fait miraculeux. Il est une source d'inspiration pour nous tous. Je vous demande de l'applaudir, David Goodman. Merci. Merci. Je ne pense pas être un héros, mais le compliment me va droit au cœur. Merci encore. Être aveugle, c'est comme être plongé dans le noir pour toujours. On se dit, si seulement il y avait un peu de lumière, la vie serait parfaite. Mais tout s'assombrit de plus en plus. Il y a une annonce que j'aimerais faire. Je sais que c'est un peu tard pour faire la campagne, mais c'est important. J'ai envoyé vos produits au Pentagone pour les faire valider. Le ministère des Armées a décidé qu'ils seraient envoyés sur le front pour nourrir nos soldats. Depuis, j'ai organisé une séance photo de vous avec le commandant en chef sur le terrain. Alors, qu'en pensez-vous ? Annika. Waouh. Vous êtes magnifique. Merci, David. Je porte un toast à notre nouvelle collaboration. Cette perspective me remplit de bonheur. Oui. Mm-hmm. Merci. Vous avez l'air différent. C'est vrai. Oui, je porte un nouveau regard sur la vie. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Je suis si heureuse pour vous. Et pour Lisa. Annika. Te voilà. Je te cherchais partout. David et moi, nous parlions. C'est normal que mes oreilles aient sifflé, alors. Nous avons une autre fête, tu te souviens ? Oui. Tu me rejoins ? D'accord. Je suis ravie de vous revoir. Tu ne t'imagines pas l'effet qu'elle peut faire à un homme au lit. Ah oui ? Tu es seulement venu pour me dire ça. Je suis ravie que tu aies recouvré la vue. Je le pense sincèrement. Ça me fait plaisir. Merci. Écoute, David, on n'a jamais eu l'occasion de parler de ma nouvelle promotion. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Oh, non, 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 pas du tout. Je n'ai jamais eu de ressentiment pour toi. C'est une très jolie canne, David. Merci. On se voit demain. David.
Dépêche-toi! Il y a quelqu'un, j'en suis sûre. Quelqu'un a fait tomber la lampe. Il n'y a personne. Calme-toi. Tu es fatiguée. J'ai cherché dans toute la maison. J'ignore ce que c'était, mais il n'y a aucune trace. Oh mon Dieu, je t'ai dit qu'il n'y avait personne. Tu n'as pas à t'inquiéter, alors ne pense plus à ça. Tu es tiré à quatre épingles ce matin. J'ai plutôt l'impression de ressembler à un prof de fac. J'ai envie de changer de fringue. On ira faire les boutiques pour toi ce week-end. Ouais. Et je vais être en retard. Assois. Monsieur Goodman. Que voulez-vous? Je vous conduis là où vous devez aller, pour vous montrer ce que vous devez faire. Venez. La réunion est à quelle heure? Bonjour, David. Pardon, bonjour, Annika. Elle débutera dans une heure. Oh, bien. Est-ce que vous pouvez me briefer sur ce qui s'est passé pendant mon absence? J'ai rédigé un rapport pour que ce soit plus simple. C'est parfait. Allô? David? Oh, Lisa, ça va? Qui est le docteur List? J'ai entendu un message le concernant sur le répondeur. Désolé, mais je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Tu es allé voir ce médecin? Non. Dis-moi la vérité. Écoute, chérie, ça t'ennuie qu'on parle de ça ce soir? Non, parlons-en maintenant. Ça me rend nerveuse, surtout depuis que j'ai développé les photos de la fête. Quelles photos? Je t'ai dit qu'un homme avait la même canne que la tienne. Et bien sûr, la photo... Elle a l'air vivante. Je n'ai pas le temps de discuter de ça, chérie. Attends, ne raccroche pas. J'ai une réunion importante. On se rappelle plus tard. Au revoir. Monsieur Hainaut va bientôt être nommé comme nouveau premier secrétaire des Nations Unies.
Sa nomination sera annoncée le mois prochain. En attendant, il veut que son opération sur la côte Est se déroule comme prévu. Il a beaucoup investi dans la région ces derniers mois. Et il a signé de gros contrats avec le gouvernement le mois dernier afin de répondre aux demandes du ministère. Il va entièrement délocaliser ici sa société. C'est une aubaine pour la région et il espère beaucoup de retombées. Je lui ai assuré que nous avions beaucoup d'influence dans ce domaine. Merci, Tony. On a terminé sur ce point ? Ça ne fait que... commencer. Monsieur Hino est impressionné par... l'action, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi qui te contredirai. Et je pense l'avoir suffisamment impressionné pour qu'il me choisisse. À quoi pensez-vous, David ? Oui, David. À quoi pensez-vous ? Eh bien, Jenny est en charge des relations publiques de la ville quand une nouvelle entreprise établit son siège ici. N'est-ce pas ? Alors, si les médias apprenaient que M. Hino est sur le point de mener des opérations importantes ici, ils en parleraient partout et ça ferait de la publicité pour nous. Par ricochet. Oui, certainement. Bonne idée. Et Jonathan, vous êtes responsable de la communication de la campagne de réélection du maire. Oui. Je pense qu'il serait fou de joie s'il pouvait être associé à l'installation de Roger Hino dans la région. C'est évident, il lui offrirait les clés de la ville. Eh. Tout le monde passerait à la télévision. Tout le monde serait content. Beau travail, David. On se voit demain, David. Beau costume, au fait. Et où allez-vous ? J'ai rendez-vous avec Tony. Oh, restez encore un peu. Je vous offre un verre. Nous avons quelque chose à célébrer. Ah oui, que fêtons-nous ? Un nouveau départ. J'aurais voulu que vous soyez présente. Fallait voir ça. Il me considère comme un dieu, il me mange dans la main. Et je dois dire que c'était mieux que faire l'amour. Ça dépend comment on le fait. C'est vrai. Je suis forcée de vous croire. Recouvrez la vue. Ça va ? Risque de bouleverser pas mal de choses dans votre existence, David. David ? Ça ne va pas ? Non, ça va. Tout va bien ? Oui. C'est gentil. Non. Vous ne devriez pas faire ça. Non. Vous oubliez Lisa. Lisa. Ne pensez pas à elle. Non, c'est mal ce qu'on fait. Oui, c'est mal. Non. 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 Harry, que sais-tu du docteur List ? Il achète et vend des antiquités. Il a acheté toute une collection et le vend aux enchères l'année dernière. Des vieilles canons bois, des objets sataniques, sans grand intérêt. Lisa ? Est-ce que ça va ? Je m'inquiète pour David. Pourtant, tout est rentré dans l'ordre à présent. Oui, mais tu le connais. Il a toujours fait attention aux dépenses et il jette l'argent par les fenêtres depuis quelque temps. Il s'est même offert une voiture de sport. Ah oui ? Mais après ce qui lui est arrivé, je pense qu'il a décidé de se faire plaisir, ça paraît logique. Attends, c'est pas tout. Il a insisté pour faire une offre sur une maison exorbitante qu'on ne peut pas se payer. Tu aurais une crise cardiaque si je te donnais le prix. Et puis, des choses étranges se produisent. J'ai très peur, Harry. Qu'est-ce que je peux faire ? Si tu devais écrire un article à propos de ce docteur List, où irais-tu chercher des renseignements ? J'irais voir les antiquaires. En y réfléchissant, il me semble que je connais quelqu'un qui pourrait te renseigner. On a eu tort.
Ça n'aurait jamais dû se produire. Tu en avais envie. Non, c'est toi qui en avais envie. Tu vas être en retard. Salut Tony pour moi. L'auditorium, s'il vous plaît. Par là. N'oubliez pas vos devoirs. Pas plus de 2000 mots. Pas moins. D'accord? D'accord. Très bien. Merci. Entendu. Bonne fin de soirée. Professeur Van Tilburg. Bonjour. Je suis Lisa Goodman, l'amie de Harry Conland. Ah oui, ravi de faire votre connaissance. Vous avez découvert quelque chose? J'ai passé quelques coups de téléphone et j'ai découvert que la plupart des cannes achetées par le docteur List à cette vente aux enchères étaient convoitées par un collectionneur qui s'appelle Randolph. Randolph? Vous le connaissez? Non, je n'aurai plus jamais l'occasion de le rencontrer. Il y a quelques semaines, la police a retrouvé son cadavre sur une aire de repos sur l'autoroute. Il était seul. Il aurait eu un accident de voiture, enfin, apparemment. J'ai cru bon de vous noter l'adresse de sa femme au cas où vous désireriez lui parler. Peut-être connaît-elle le docteur List. D'accord. Merci. En ce qui concerne la photo que vous avez faite, je vais satisfaire votre curiosité. Venez. Il y a environ 500 ans, dans le nord de l'Italie, il y avait un homme qui s'appelait Dante Bellasario. Il travaillait dans le commerce du bois et devint aveugle à la suite d'un accident. Aveugle ? Oui. Enfin, après cet accident, la femme de Bellasario ne cessa de répéter qu'il était tourmenté par Foresta Immaginale. L'esprit des bois. Selon elle, ils avaient pris possession de son âme. Ils le forçaient à sculpter des objets, des cannes et des bâtons à partir du bois récolté dans les forêts de la région. Les cannes, selon ses dires, l'obligeaient à commettre des crimes indescriptibles et épouvantables. L'Église catholique s'en est mêlée, vous vous en doutez, et elle accusa Bellasario de pratiquer la sorcellerie. Ensuite, il fut crucifié. Et les cannes, où sont-elles passées ? Elles ont toutes disparu. C'est du moins ce que je croyais, avant que je ne voie votre photo. Oh mon Dieu. L'heure est venue. Vous avez donné votre parole. Tout ce que vous aviez. N'importe quoi.
Laissez-moi, vous êtes là. Laissez-moi. Je vous jure que je ne dirai rien à personne. Non. Non, je vais partir. Ne me faites pas de mal, non. Madame Rodolphe, il y a quelqu'un? Oui, nous aussi. Très bien, au revoir. C'était un copain qui travaillait à la criminelle. C'est un homicide. Ça doit avoir un rapport avec les cannes. Il pense que peut-être que celui qui a tué M. Randolph a également tué sa femme. Il faut que j'y aille, Harry. Lisa, attends. Tu devrais en parler à la police. Leur parler de quoi? L'esprit des bois? Tu crois qu'ils me prendront au sérieux? Lisa. Très bien. Ça ne m'ennuie pas qu'on s'attaque à moi si en contrepartie j'empoche des millions, mais là... Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. C'est la chasse aux sorcières. Tes sources anonymes prétendent que j'aurais trafiqué les comptes pour tromper mes actionnaires. Alors que j'ai seulement changé de système de comptabilité. C'est Harry Conlan qui a écrit l'article. Harry est un bon journaliste, il n'aurait pas écrit cet article sans un informateur fiable. Je me moque complètement d'où lui proviennent ses sources. Ce genre d'accusation peut me porter un gros préjudice, surtout en ce moment. Cet article risque de compromettre ma nomination aux Nations Unies. Et écoutez-moi, je ne tolérerai pas ça. Il est temps que vous agissiez. Et vite! J'ai parlé au responsable du journal et il a refusé de publier un démenti dans la prochaine édition. Mais il serait heureux de vous rencontrer. Oh, quelle perte de temps. Vous savez bien que ça ne résoudra rien. Vous cherchez à m'impressionner? Que proposez-vous? J'ai besoin de quelques heures. Je me charge de régler ça. Une petite minute, David. Mais j'espère quelque chose en retour. Nous pourrions déjeuner. Réglez mon problème, et vous obtiendrez bien plus en retour. Dites donc, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Vous feriez mieux de rentrer.
Asseyez-vous, Tony. Phil, je peux savoir ce qui se passe? C'est vous. Harry Conlan a tout expliqué à David. Il a même écrit une lettre pour s'excuser. Tony, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Non. Non, c'est insensé, ce qu'il dit est faux. Vous avez tout manigancé pour me compromettre. Non, Roger, c'est faux, je le jure. Je n'ai rien fait. C'est l'œuvre de David. C'est lui qui est derrière tout ça. Vous n'aviez pas le droit de faire des révélations. Vous étiez tenu par le secret professionnel. C'est au tribunal que nous nous reverrons. Faites-le sortir d'ici. Phil. Tony? Où vas-tu? Qu'y a-t-il? Espèce d'ordure, c'est toi qui m'as piégé. On se reverra. David, il faut qu'on parle. Je me sens coupable d'avoir envoyé cette lettre à Conlan. Je regrette qu'on ait fait ça. Que va-t-il arriver à Tony? Quelqu'un va devoir reprendre tous ses contrats. J'ai fini par l'avoir, cette promotion. David? Oui? Nous devons discuter de ce qui se passe entre nous. Entre nous? Entre nous. Mais, Annika, je regrette de vous dire qu'il n'y a pas de nous. Pour être franc, j'ai demandé à ce que vous soyez transférés ailleurs le plus vite possible. Je suis désolé. Annika, vous savez où est McCann? Elle était là. Qu'avez-vous fait de McCann? David? Ça va, chérie? Tu m'as manqué. Dis-moi ce qui se passe. Tu as des problèmes.
Non, ma chérie. Je suis inquiet pour toi. Je ne veux pas qu'il te fasse du mal. J'ai peur. Oui, Elise. Tu ne devrais pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu vois tout en noir? Tu n'as pas compris que les choses sont en train de tourner en ma faveur? Pour une fois, David, tu as besoin d'aide. Il faut qu'on en parle. Ouais. Je suis pas de cet avis. Tu ne crois pas qu'une nouvelle vie s'offre à moi? Et que pour une fois, je me sens vivre? Donne-moi la canne, Lisa. Je veux que tu écoutes attentivement. Tu as compris? Écoute-moi. J'ai... enfin la possibilité de réaliser tous mes rêves aujourd'hui. Je veux réussir. Et tu vas m'y aider. Tu vas rester à mes côtés et jouer la parfaite épouse. C'est moi qui décide. Laisse-moi récupérer ma canne. David. Mission à accomplir. C'est de l'acajou. Ou du merisier. La fibre a été travaillée avec beaucoup de soin. Et tous les détails ont été sculptés avec minutie. Et c'est très difficile d'avoir ce genre de précision avec les outils utilisés aujourd'hui. Ça date d'environ 500 ans. Les yeux en particulier. Ils ont l'air vivants. On a l'impression qu'ils nous regardent. Comment s'appelle l'artiste déjà? Dante Bellasario. Navré, je n'ai jamais vu une de ces cannes. Mais je le regrette. Et que savez-vous à propos de l'autre nom que j'ai mentionné? Guillermo List, docteur List? Je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Désolé de ne pas pouvoir faire plus. Oh, ça valait le coup d'essayer. Merci. J'ai fréquenté beaucoup de boutiques d'antiquités dans cette ville, mais je dois avouer que la vôtre est de loin une des plus intéressantes. Je vous remercie. Vous collectionnez les cannes? Non, mais elles m'intéressent. Merci d'avoir été coopératif. Je vous en prie. Revenez quand vous voulez. Sois bien clair entre nous. Je ne laisserai aucun employé mettre en péril mon entreprise. J'ai travaillé dur toute ma vie pour bâtir cette société. Je vous enverrai les papiers. Annika m'a tout expliqué. Comment vous avez piégé Tony pour prendre le contrôle de l'entreprise. Je refuse d'avoir des criminels dans mon personnel et je veux mettre un terme à vos manigances. Seigneur. Thank you.
La porte était ouverte. Harry ? Madame Goodman, professeur Van Tilburg, j'ai procédé à quelques recherches et je pense avoir fait une découverte. Je suis allé voir un antiquaire en fin d'après-midi qui prétend ne jamais avoir entendu parler des cannes de Bellazario. Mais pourtant, je n'y ai pas mentionné qu'il y en avait plusieurs. Il ment. Je suis à l'école. Pouvez-vous venir me voir à l'auditorium ce soir ? D'accord. Professeur, il y a autre chose. Il s'agit de Harry. Il est mort. Oh mon Dieu, ça recommence. Bonsoir, David. Qu'avez-vous fait à mes yeux ? Rien. C'est vous qui avez tout fait. Le monde vous semble différent parce que vous êtes différent. Oui. Je viens de tuer deux personnes. Je suis différent. Phil Brotman ne méritait pas de diriger cette entreprise de relations publiques. Vous, si. Alors arrêtez de vous battre, David. Vous devez dépasser le dégoût que vous ressentez, car vous êtes sur le point de réaliser tous vos rêves. Venez avec moi. Je vais veiller sur vous. Professeur ? Professeur Van Tilburg ? Il y a quelqu'un ? Possède de grands pouvoirs et vous permet d'accéder à tout ce que vous avez toujours désiré. Personne ne peut se mettre en travers de votre chemin. Grâce à elle, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Quand j'ai trouvé la mienne, des tas de choses se sont produites. Et ensuite, j'ai pu réaliser mes rêves. Tout avoir, sans avoir à le demander. Vous pouvez avoir la même chose. En fait, David, nous sommes une sorte de compagnie avec des actionnaires, rien que des hommes importants qui ont besoin d'être protégés et dont vous faites partie, coûte que coûte.
pourquoi moi? Parce que vous le voulez. Et votre envie est si forte que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Ce que vous avez fait à Tony est la preuve que vous pouvez être corrompu. Vous ne comprenez rien, on dirait. Je ne suis pas un assassin. Si j'avais refusé de les tuer, cette foutue canne l'aurait fait à ma place. Ne me prenez pas pour un imbécile. La canne n'y est pour rien. La canne n'aurait pas le pouvoir de vous faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire si vous n'avez pas déjà le mal en vous. Vous pouvez me croire. Regardez ce qu'il y a en vous. Et décidez de qui vous voulez être. Vous êtes l'homme qu'il nous faut. Messieurs, j'aimerais que vous réserviez un accueil chaleureux à notre nouveau membre, David Goodman. Après ça, rien ne pourra vous arrêter. Rien du tout. Regardez-la. Elle représente une menace pour vous, David. En fait, elle représente une menace pour nous tous. Elle vous empêchera de mener l'existence que vous désirez tant. Je t'en prie. David. Prenez cette canne. David. Et enfoncez-la lui dans le cœur. Ne fais pas ça. David. Ah! Ah! Ah!
Saisissez la chance qui s'offre à vous. Devenez l'homme que vous rêvez d'être. Tu es là. Tu es là. C'est un ordre. Tu es là. Non. Lisa, vite, lève-toi. Suis-moi. Je suis ravi que vous soyez venu chez moi. Merci à vous. À dire vrai, nous ne savions pas à qui d'autre nous adresser. C'est une histoire vraiment incroyable. Il voulait que je prenne le contrôle de l'entreprise. Et Brotman ne se serait pas laissé corrompre. Dieu seul sait ce qu'aurait pu se produire si je n'avais pas réagi. Je vais demander à mon chauffeur de vous conduire à l'aéroport. J'ai fait le nécessaire pour que vos billets soient prêts au comptoir. Dès que vous serez sain et sauf et que vous aurez quitté le pays, je réglerai tout ça avec les autorités compétentes. Vous avez ma parole. Merci. Merci. Je vous en prie. Vous étiez un homme si prometteur. Je suis convaincu que j'ai bien fait de vous choisir à la place de Tony. Vous avez bien entendu, c'est moi qui vous ai choisi. Tout comme moi, j'ai été choisi à votre âge. Lys est très impatient de vous voir revenir au manoir. Espèce d'ordure. Vous êtes un des leurs. Je ne suis pas seulement un des leurs. Mon rôle dans tout ça est beaucoup plus important. Vous devriez être plus attentif à l'église, David. Tout est écrit dans la Révélation de Jean, chapitre 13. Il y aura 10 nations qui suivront l'idéal d'un seul homme, la bête, qui obligera Dieu à plier devant Babylone. La bête. Vous voulez parler de l'Antéchrist? Toutes les réponses se trouvent dans la Bible. Et donc, vous avez d'abord engagé Tony pour voir ce dont il était capable? Tony s'est montré compétent. Mais il n'a jamais eu votre énergie. C'est vous que nous voulions depuis le début, David. Bien sûr, il fallait que vous deveniez aveugle pour voir le bénéfice que vous pourriez tirer de faire partie de notre confrérie.
de m'arrêter. Tu as mal aux jambes? Ouais. Lisa. J'ai fait du mal. J'ai fait du mal à tellement de gens. Mais surtout à toi, je le regrette. Je m'en veux si tu savais. Ça va aller. Tu sais que je t'aime. Oh. Oh mon Dieu. Vous avez enfin compris ce qui se passe, David. Vous êtes aveugle. Et vous l'avez toujours été. Oh, si vous avez recouvré la vue. Oh mon Dieu, Lisa. C'est parce que je le voulais. Oh non, je ne vois plus rien. Nous sommes tous aveugles. Mais avec nos cannes, nous avons le pouvoir de voir bien plus qu'avec nos propres yeux. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, David? Tous les événements sont reliés. Tout est orchestré. Et malheureusement, les seules choses auxquelles vous allez être confrontés sont la douleur et la mort. Je peux pas continuer. David, je peux pas, Lisa. Alors, laisse-moi. Je t'en prie, sauve-toi. Non. Tu dois y aller. Je t'en conjure. Cours. 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 Lazario. Vous en savez beaucoup trop sur nous, Lisa. Lisa. Tiens, voilà David. Il a toujours cette rage de vivre en lui. Yeah.
Tu as dormi ici toute la nuit? Tu ne veux pas te mettre au lit? Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais me faire porter pâle. Oh mon Dieu! Lisa! Je suis en vie! Je n'y vois toujours rien, mais je suis en vie! Qu'est-ce que tu as tout à coup, chérie? Tu sais quoi? Je crois qu'il est grand temps d'agrandir la famille. J'en ai envie. Je t'aime tant. Je t'aime. Les 6 derniers mois ont été un véritable enfer et te voilà redevenu comme avant. Dis-moi que je ne rêve pas. Non, tu ne rêves pas. Seriez-vous prêt à renoncer si je vous aidais à recouvrer la vue? À tout ce que j'ai. N'importe quoi. J'ai un cadeau pour vous. Bienvenue, Tony.